Azulflawen, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être une vidéo livre et nostalgie. Je vais vous présenter les livres que j'achetais, que je lisais lorsque j'étais au collège et au lycée. Hein, parce que ma passion pour les plantes et l'agriculture a été quand même. Ça s'est passé très tôt. Donc, un truc, certains de ces livres sont devenus culte à leur époque. Donc ici, potager simplifié, insectes et maladies. Alors là, celui-ci, je vais le lire parce que j'ai l'intention de devenir apiculteur. Ça fait longtemps que j'en rêvais. Élevage des poules. Pelouse et plantes couvrantes. Ça, j'aime bien. L'art de tailler les plantes. Alors certains sont vraiment dépassés, puisque avec la venue de la permaculture, mais il y a pas mal quand même de choses intéressantes. La vigne, et ça, un livre que les gens de ma génération, en tout cas les passionnés de l'agriculture et du jardinage, connaissent tous, comment soigner son jardin. Alors ça, le calendrier du jardinier. Ça, c'est l'arboriculture fruitière. Je vais me remettre à tous les lire. La culture maraîchère, ça c'est bien. La culture de la vigne, je crois que je l'ai en deux fois celui-ci. La culture de l'olivier. Les arbres fruitiers. L'olivier, c'est très important ici dans cette région, l'olivier. L'élevage des lapins. Les arbustes et buissons. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien, le dictionnaire des médecines naturelles. Ça, j'aime beaucoup, l'élevage biologique. L'élevage biologique, l'agriculture et petit élevage en zone tropicale. Tiens, je vais planter de la patate douce et il y a un article, il y a un bon truc sur la patate douce ici. Le jardin de légumes. Comment entretenir et soigner vos pommes et poiriers? Ça tombe bien, je n'en ai presque pas. J'ai gardé les deux meilleurs, mes préférés, pour la fin. L'horticulture pour tous, ça c'est vraiment, c'était très pratique, j'ai appris beaucoup de choses ici. Et le premier, je vais vous présenter le premier, j'étais gamin, j'ai bien mon nombre. Et ça a commencé par ce livre. C'était dans une librairie à Alger. Et je l'ai vu. J'étais fasciné par le jaune de ces narcisses. Et les pots, tout ça, les trucs ça, trucs-là. Et je l'ai ouvert. Et j'ai été immédiatement conquis. Je me suis mis à la recherche des plantes qui étaient. À l'intérieur, et c'est comme ça que je me suis mis à acheter. Je devais avoir 12, même pas 10 ans, 9, 10 ans lorsque je l'ai acheté. Voilà, ça c'est juste une petite partie parce que j'en achetais énormément, énormément à l'époque. Bon, certains, je l'avoue, je les ai pris dans la bibliothèque de mon vieux. Voilà, donc je vais. Dès que je vais avoir moins de charges de travail ici, je vais me remettre à les relire. C'est très important, les livres du jardinage, sur l'agriculture, etc. Puis c'est très important pour les enfants. Si vous achetez pour un enfant un livre de jardinage, un beau livre de jardinage, ça va le marquer à vie.